Ivarine, coucou. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26, 27 avril 2023. Heureux mariage à Madame Connie Touré. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous avez quelque chose d'important à publier aujourd'hui, demain, le week-end et peut-être la semaine prochaine, mettez ça de côté parce que les gens ne verront pas. Aujourd'hui, demain et la fin de la semaine, il va y avoir des vidéos pour parler du mariage de la dame. Il va y avoir des gens qui vont venir critiquer son mariage, qui vont venir démontrer par A plus B que ce mariage-là, ça ne vaut rien, que ça ne tiendra pas la route. Ensuite, il va y avoir des gens qui vont venir défendre Madame Connie Touré. Ils vont faire des vidéos pour venir expliquer que ce mariage-là, il va tenir parce que. Après, il va y avoir ceux qui avaient fait la vidéo pour démolir le mariage, vont venir faire des vidéos pour répondre à ceux qui pensent que ce mariage ça va tenir. Et puis après, ceux qui ont fait les vidéos pour contrecarrer ceux qui ont pensé que le mariage ne peut pas tenir, eux aussi vont venir faire des vidéos avec les preuves que ce mariage a pu tenir. Ensuite, ceux qui avaient démoli, qui sont venus se défendre, vont faire d'autres vidéos pour venir prouver avec des preuves que ce mariage ne tiendra pas parce que Madame Connie est comme ça, parce que son mari est comme ça, parce que ceci, cela, parce que ceci, cela. Et puis après maintenant, ceux maintenant qui vont venir, qui défendaient la démolition du mariage, ils vont venir prouver maintenant que ceux qui ont fait les vidéos pour dire que le mariage ne tiendra pas là, ils vont venir faire des vidéos pour casser les papeaux sur ces gens-là, venir prouver que ces gens-là, ils ont de la poutre dans leurs yeux. Et on ne comprend pas comment ils font pour voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. On va venir prouver que ces gens qui sont contre ce mariage, qui critiquent ce mariage-là, ont plutôt des oignons qui pourrissent dans leurs jardins. Donc ça, là, ça va nous prendre au moins 5 jours. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir des vidéos, des publications pour démontrer que ce mariage-là vaut rien, pour démontrer que c'est n'importe quoi. Et puis, on va être content de prouver que le mariage d'une sœur, le mariage d'un frère ne vaut rien. On va prouver que ça ne peut pas marcher. On va mettre la main au feu pour démontrer que ce mariage ne peut pas tenir. Et puis, à la fin de la journée, on sera heureux d'avoir démontré que le mariage de quelqu'un qui ne nous apporte rien, qui ne nous dérange en rien, ne peut pas marcher. Et on va être content à la fin de la journée. Maintenant, ceux qui vont venir défendre là, eux, ils vont venir apporter les preuves que ce mariage-là va tenir. Et puis, parce que ceci, cela, et puis ceci, cela. Donc, on est parti pour aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, peut-être lundi, mardi, mercredi, ça va commencer à baisser. Et puis, il va y avoir une autre actualité. Et puis, ils vont se déverser là-bas. Quelqu'un s'est marié. Toi, en quoi ça te dérange? En quoi ça impacte ta vie négativement? En quoi, je ne sais pas, ton quotidien est impacté comment? Du mariage de quelqu'un. Tu as une boule de cristal. Toi, tu vois les événements qui vont venir. Donc, il faut que tu viennes informer les gens que toi, tu as une boule de cristal. Tu sais que ce mariage-là ne marchera pas. Et puis, quand tu as fait cette publication-là, quand tu as prouvé que ce mariage-là ne changera pas, là, à la fin de ta vidéo, tu vas recevoir 1 milliard sur ton compte. N'est-ce pas? Tu vas recevoir 1 milliard sur ton compte. Quand tu vas démontrer que le mariage de quelqu'un va pas marcher, là, tu vas recevoir un chèque de 1 milliard, ou bien on va te faire un dépôt d'un milliard sur ton compte, ou bien on va t'offrir une maison, ou bien on va t'offrir une voiture, ou bien on va t'offrir une entreprise clé en main. Quand tu auras démontré que le mariage de quelqu'un ne peut pas marcher, c'est un faux mariage, et puis ceci, cela, quand tu as fini dans la journée, à la fin de la journée, là, tu gagnes 10 années sur ta vie. Alors, du courage. Continuez à souhaiter le malheur aux autres au lieu d'envoyer des ondes positives à une action sociale naturelle, au lieu d'envoyer des ondes positives et d'amour à deux personnes qui se sont mises ensemble. Toi, ton bonheur là, tu le trouves quand tu viens démontrer, quand tu viens casser la joie de quelqu'un. J'espère que ta vie là, tu devais mourir dans 10 ans. Mais grâce à ta publication, grâce aux vidéos d'avance que je prévois que vous allez faire, vous allez avoir 20 ans de plus sur votre vie. Quand vous aurez démontré que le mariage de quelqu'un ne vaut rien et que vous aurez souhaité que ça ne marche pas là, vous aurez 20 ans sur votre vie.
Bye. Et que Dieu vous bénisse.